Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode numéro 26 de notre Let's Play sur Darksiders 2. Et on est donc reparti pour cette aventure. La dernière fois, nous avions fini enfin la citadelle d'Ivoire, avec un donjon assez corsé. Et on commence à approcher doucement de la fin, puisque bah, une fois qu'on aura fouillé cette partie de l'endroit, donc cet endroit-ci, on est dans un... On a dû traverser un autre portail pour être à la frontière de l'ombre, puisque se trouve l'autre clé, hein, après avoir obtenu la clé à Lumenex, la première. On va obtenir la seconde ici, et après bah, ce sera le combat normalement contre le boss de fin pour libérer le puits des âmes et faire justice pour le frère de Death. Bienvenue à la frontière de l'ombre. File comme le corbeau, où ton frère est condamné. Cet endroit m'est familier, c'est normal. C'est le reflet obscur de la flèche de cristal. Un domaine où les démons, et non les anges, montent la garde. Elle a tourné leur regard vers eux-mêmes, et ce qu'ils ont vu les a détruits. Et la clé? Elle est toujours là, liée à un puissant maître. Donc on est parti pour explorer ça déjà. Bienvenue dans le royaume des ténèbres, cavalier. Si jamais tu me suis... Oh, ne sois pas ridicule. Je sépare les démons de leur argent, et toi, de leur âme. Où est la différence? Je cherche une clé. Mais bien sûr, Samael conserve de nombreux trésors dans ses coffres. Samael, oh. C'est confus qu'on va devoir combattre. Je souhaitais d'ailleurs en acquérir quelques-uns, mais rien ne va plus à la cour rouge. Samael n'aurait jamais laissé son royaume sombrer aussi loin dans le néant. Prends garde à ce qui t'attend sur le trône de Samael. On entend de terribles rumeurs. Une reine démente, Lilith, s'accroche au pouvoir. Lilith, comme c'est étonnant. La pierre noire, j'en ai entendu parler. Oui, le trône de Samael, prince du sang, vagabond rouge. Il porte moult noms, mais n'a qu'un domaine. En piteux état. La corruption dévore la pierre noire. Comme elle dévorera les terres de la forge, la cité des morts, et même la terre. Dans quel but? Que veut la corruption? Détruire la création, et laisser à sa place le néant. Est-ce qu'on peut la vaincre? Non. Ton précieux équilibre ne peut que la retenir. Ah, mais qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis qu'un simple marchand. Samael était là quand j'ai combattu les Néphilim. Il n'a pas dû en perdre une miette. Le démon Samael joue un jeu dont lui seul connaît les règles. Et nous sommes ses pions. Regarde tant que tu veux. Javis, je veux te donner ça. Mais tu ne peux plus rien porter. Frontière de l'ombre. Trouver la reine démente.
la pierre noire. On va faire un autre donjon, j'ai l'impression. Merci pour la mise en garde. Vous pouvez vous montrer, Lilith. Tu me reproches ma prudence. Tu es la mort. Quand tu surgis, nul n'est à l'abri. Pas même ta chère mère. Vous n'êtes pas ma mère. J'ai créé Absalom en mêlant la poussière d'un ange à celle d'un démon. Et de ce premier Néphilim, les autres sont nés. Ils étaient les frères des cavaliers. Et pourtant, quand vous les avez massacrés, toi seul l'as regretté. Pourquoi as-tu jeté l'amulette dans l'abysse? Pourquoi avoir désobéi au conseil? Pourquoi sauver leurs âmes? Sinon pour un jour, pour réparer tes fautes. Mes fautes ? La corruption est née d'Absalom. Elle se répand telle une marée noire, et vous, mère, allez m'aider à l'arrêter. Où est la clé des démons ? Entre les mains de Samael. Mais il a disparu à présent. Et la clé également. Oh, n'aie crainte, mon fils. Le temps n'est pas immuable. Avec ça, tu vas revenir dans le passé, avant la chute de la pierre noire, et trouver la clé. Tout ce que je veux, c'est qu'une fois face au puits des âmes, tu écoutes ton cœur et ressuscites les Néphilim. Exochrone, version améliorée du Transpatium permettant à Death d'ouvrir une brèche entre présent et passé pour voyager dans le temps. Sérieux? Mes yeux me mentiraient-ils? Vous ne m'avez toujours pas dit où est la clé. Je partage son lit, pas ses secrets. Si tu veux la clé, demande-lui directement. Samael n'a pas pu simplement disparaître. Death, très cher, tu en sais si peu sur les royaumes infernaux. Un nouvel ordre se met en place depuis la chute. Tous les démons luttent pour le pouvoir. Si Samael a disparu, ce n'est certainement pas le seul. Que venez-vous faire dans ce royaume? Le pouvoir m'attire. Et Samael est le plus puissant de tous les démons de la création. Il aurait certainement pu régner en maître absolu, mais il n'est plus là. À présent, cet honneur en revient donc à mes enfants. Ramène les Néphilim. Et toute la création sera vôtre. Mais à quel prix ? On va voir comment ça marche.
Bon. Alors du coup je vais revisiter les autres pièces. Sérieusement. Champion de la Légion. Mal, what les dégâts. Ça, je suis insuffisamment préparé. Il y avait des quêtes secondaires que j'avais pas vraiment faites, faudrait peut-être les faire à un moment donné aussi. On va essayer de survivre à ça.
peu limite. Hein. Pas doué. En vrai, même de simples ennemis comme ça me font extrêmement mal. Une marre de dégâts, c'est trop puissant ça, hein. Clairement. Je pense qu'on ferait mieux de prendre congé et de faire des quêtes qu'on n'a pas faites avant de revenir. Je pense que c'est plus judicieux et c'est ce que je vais faire. Donc on va temporairement quitter cet endroit et on y reviendra après. Parce que là, ça sert à rien. On force un peu pour rien. Donc on va voir les quêtes qu'on n'a pas faites. Ça nous servira d'entraînement, ça va nous faire XP un petit peu. Actuellement, on est niveau 20. Bon, on a quand même un niveau correct, mais c'est malheureusement pas suffisant. Alors, ce que je trouve... Alors, juste regarder quelque chose. Afficher quête. Ah oui, on a tout ça. À qui nous, on l'avait déjà affronté. Mais c'est vrai que... Oh, ouais, on a plein de trucs. Hein. Alors, trouver et tuer Blaytear. Afficher quête. Trouver Samael. Il a l'éther. Non, on va essayer de faire ça. Si c'est si le dernier donjon avant la fin, l'autre truc. Putain, mais j'arrive pas à afficher mon. Mais ça n'affiche pas la quête que je veux. Et ça. C'est casse-pied. Ça arrête pas de m'afficher, ça m'affiche pas la... Putain. C'est moi qui sais pas me servir de la carte ou quoi? Quête secondaire. Bah oui, mais ça me l'affiche pas sur la carte.
Ça ne l'affiche pas. C'est pas possible. Hein. J'arrive pas à... C'est moi qui m'y prends mal ou quoi? Putain, ça me casse les couilles ce truc. Si j'ai pas d'endroit où chercher, mais ça me le faisait avant. Je comprends pas. Trouver et tuer Blaytear sur les terres de la forge, ben j'y suis. Actif. Ça m'énerve! Ça m'énerve! Ça bug. C'est pas possible ce truc. J'arrive pas à afficher la quête sur la carte correctement. Ça met afficher quête, ça l'affiche nulle part. J'ai en permanence celle-ci et je le fais. Putain, c'est pas possible. Voilà, ils ont compris ce que je cherchais. Alors, on recommence du coup, on recommence. Il est où le gars? Ah, il est là. La retraite. Alors attends, la retraite. Ce gars est là. On va affronter Blaytear, ça fait de l'entraînement. Allez. Peste bois. Sérieux? On a déjà visité cet endroit. Il est là, le gars? Mais j'ai déjà... C'était quoi? C'est un semi-donjon, ça? Parce que j'ai pas tout visité. Il y a une pièce en haut, il y a une pièce ici à droite. Il y a un chest aussi que j'ai pas trouvé. Je vais me casser la gueule, génial. Alors le coffre il est là, c'est un coffre normal. Attends, parce que là... On va le trouver. Monsieur,
Il y a des ennemis level 17 quand même ici. Bon, c'est ça. Trouver et tuer Blaytea. Ah, il est toujours dedans? What? Il est... Ouais, j'avoue, je comprends pas... Alors, il reste que cette pièce-là. Il n'y a pas d'autre endroit. Hein. Compétences obtenues. Et cette porte-là, on ne sait pas comment l'atteindre. S'il y a une porte de l'autre côté... Ouais, j'essaie juste de voir la... Peut-être par le... Je pense que c'est par le haut. Hein. Dust, qu'est-ce que tu vois?
Ah ouais, c'est vrai que quand j'ai actionné le levier, pourquoi est-ce que je me suis retrouvé face à deux ouvertures? Non, mais ça c'est... Et ça. Ah, c'est lui. Il a crevé. Oh putain, il m'a fait tomber. Je recommence le combat? Juste parce que je me suis cassé la gueule? Il est où? Il est ici! Ah, c'est pas juste. Non, non, il était mort. C'est bon, c'est bon, c'est bon, il va crever, il va crever. Serre de Blaytyr. Découverte sur le cadavre de Blaytyr, ses fonds ont pourri dans son ventre pendant près d'un millénaire. Leurs lames magiques se sont imprégnées de ses propres attributs pour acquérir une puissance véritablement légendaire. D'une qualité exceptionnelle, elles peuvent trancher avec précision et férocité tout en brûlant la chair jusqu'aux os. Ok. Ah, c'est beaucoup moins fort. Donc on s'est débarrassé de ce truc. Mais il est mort. Retourner auprès de... Ah, il faut parler à Tan. Alors, Tan, il est où? Tan, c'est... D'accord. Je veux dire qu'on a vaincu cette cible. Allez, là. Il est là, le petit père. Beytir ne vous causera plus d'ennuis.
Une ère de terreur vient donc de s'achever. Mais tu as encore tout à prouver. En surmontant cette épreuve, tu as prouvé ta puissance. Mais aussi que tes blessures étaient profondes. Akitna n'est plus qu'un mauvais souvenir. J'aurais voulu être là, pour la voir agoniser. Ceux qui traversent les ténèbres en sortent rarement indemnes. Bon, c'est pas encore tout à fait fini. Faut trouver et tuer Sylve Sang. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Ah voilà, c'est quoi ça? Le rocher des larmes. Ah c'est pas le, c'est au niveau du deuxième donjon ça. Hein. Attends, je comprends pas là. Il est dans cette direction. Je comprends pas là. Oui, il est juste là. Enfin, je veux dire, il est dans la région d'après. Ça me perturbe qu'il y ait l'emplacement ici. Là, il n'y a rien. Le rocher des larmes. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et la prochaine fois, on partira à la recherche de ça. Il y a aussi Argoul qu'il faut tuer, il y a une quête sur un marteau, ah oui c'est que, ah celle-là on l'a depuis un moment. Alors dans le bastion il m'a demandé de retrouver un casque, là il voulait retrouver une boussole, ça aussi on l'a pas fait. Bon écoutez on va voir. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode.